La ville de Lubumbashi n'était pas en reste quant à la reprise des cultes et messes. Ce dimanche 16 août 2020, le premier depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, une ambiance particulière a régné dans différentes églises de la place. La distanciation sociale respectée, dans différentes églises, chacun est muni de son cache-nez. Et à l'entrée, le lave des mains est obligatoire. Non, ça vaut la peine. Vous savez, les devants sont protégés. Les masques, il y a problème, il y a ma conjointe. Nous avons porté les masques pour éviter les maladies. Même dans les églises, nous devons nous préserver. Pour le bourgmestre de la commune annexe, Rémi Monsese Mukoma, ceci devrait se poursuivre dans le souci de lutter contre la pandémie à coronavirus. Heureusement que nous venons voir si réellement les mesures dictées par le chef de l'État, même par l'Organisation mondiale de la santé, si ces mesures-là ont été respectées. Et nous avons vu qu'il y a quand même un effort qui est fourni. Les gens quand même portent les masques, les gens observent la distanciation. Nous voudrons que ça puisse continuer comme ça parce que la maladie est encore là. Rappelons que c'est depuis durant 5 mois que les églises ont été fermées après que l'état d'urgence sanitaire ne soit décrété suite à la pandémie à coronavirus.